Darmanin ment. Depuis Sainte-Soline et les tentatives hasardeuses du ministre de l'Intérieur pour défendre l'action de ses forces de l'ordre, cette phrase « Darmanin ment » est devenue une évidence pour tout le monde. Sauf qu'on a la mémoire courte et qu'on a un peu oublié que c'est loin d'être la première fois que Gérald Darmanin ment. Depuis qu'il est devenu ministre de l'Intérieur en 2020, c'est même l'essentiel de sa communication qui est fondée sur des approximations, des omissions, des erreurs, quand ce n'est pas carrément des mensonges balancés avec un aplomb formidable. Que ça lui arrive une fois ou deux de maquiller un peu la réalité pour servir ses intérêts et sa communication, il ne serait pas le premier responsable politique à se faire gauler, mais que ça arrive de manière aussi répétée et que ça constitue une véritable stratégie de désinformation de la part de celui qui pourrait prétendre à d'autres responsabilités politiques prestigieuses, ça en devient quand même très inquiétant. Pour vous en convaincre, voici un rapide rappel de 10 gros mensonges prononcés par Gérald Darmanin depuis qu'il est place Beauvau.